Allez, c'est parti pour ce petit pis entre Chelsea et Benfica. Il va falloir marquer le but de la victoire. C'est parti. Ah, pardon. Boulette, parce que j'ai pas choisi le niveau de difficulté. Je suis pas joué en amateur, je joue en pro. Sur la 5ème minute. 150 points, c'est suffisant. C'est parti pour ce défi. Bon, l'empare. C'est parti. Il avait bien aussi. Il va falloir marquer un but. Un seul. Rich. Pour remporter cette victoire. Face à Chelsea. Bobby Mikel. Pas de soucis pour le dernier. Sur cette frappe lointaine. Peut-être pas tenter de coup pour le coup dans ces dernières minutes. Les défenseurs vont perdre sur la pression. Il a bien fait de ne pas se rater. Carrément seul, hein. Je suis en ultra offensif. Avec Neymar. Seul. Je vais un peu tactique, hein. Je ne vais pas perdre la balle. On peut être les coupagnards. Oh, c'est dedans. Et voilà. Oh, c'est dedans. C'est important. Quelques minutes de la fin du match, ils prennent l'avantage. Oh, que ce but est important. Ce but de la libération. Il est importantissime. Et oui, donc, ce but est une véritable confirmation sur la tête de leurs adversaires. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Franck Lampard, Raúl Gallès. Cette fois, on va réserver une sacrée surprise. J'ai fait l'effet d'un cheater. Je vais vous expliquer dans la description de la vidéo pour la plus. Allez, faire construire là. Certaines personnes Raúl Mireles et les défenseurs qui sont au plus mal. Oh, la voiture. On va voir un petit peu de suspense à la fin. Il enchaîne les bons arrêts, c'est parfait. Et j'ai remporté le match. C'est terminé sur ce premier arrêt de début à 1. Franck, au moment de l'analyse de ce match, on ne peut pas ne pas parler de cette supériorité numérique. Elle a pesé lourd, c'est sûr. Et voilà, donc défi réussi, cinématique, je m'en fous. Allez, voilà, je sais, cinématique, ok. Voilà, défi réussi, c'est 150 points d'expérience quand même, c'est indiqué, c'est noté. Donc bah, à la prochaine pour le prochain défi, et puis n'oubliez pas de regarder la vidéo donc, dont je vous parlais il y a quelques secondes, sur ma 7ème coupe continentale online, et puis je vous expliquerai ce qui m'est arrivé au niveau du cheat, puisque j'étais victime d'un cheater. Voilà. A plus.